serai accompagné de Sacha Roulin qui sera donc avec moi dans l'émission. Bienvenue Sacha. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue Sacha. Bienvenue avec moi. Salut mes chers, salut à tous. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur la web radio Vidéo. Salut mes chers, salut à tous. Bonsoir à tous et bienvenue. Petit clin d'œil. Bonsoir à tous les amis, très ravi de vous retrouver sur les antennes de Ville Lumière, première prise d'antenne en tout cas cette saison, très ravi, déjà à la présentation, alors je pense qu'il y a de nouveaux auditeurs, du coup je me présente, je m'appelle Béchir Benmefta et je suis le présentateur de l'émission, voilà, et avec moi il y a Peter Cicéron, bonsoir Peter. Bonsoir Béchir, bonsoir à tous. Et Loïc Duchâteau. Bonsoir Loïc. Bonsoir Béchir, bonsoir. Ils sont aussi ici depuis l'année dernière. Voilà, les présentations sont faites. J'annonce juste très rapidement le programme. Alors première partie de l'émission, on va annoncer le parrain de la saison. Donc voilà, après Daniel Echter et Patrick Suffaut, qui sera le nouveau parrain de la web radio. Ça va être annoncé dans à peine 30 secondes avec un duplex différé depuis l'Espagne. Voilà. Et on va écouter dans cette première partie Tac le glissé, l'épisode 0. Chronique d'un mercato raté par Sacha, écrit et réalisé par Sacha Roulin, une capsule de 5 minutes où il nous parle un peu du mercato. Alors, je sais que ça fait un mois que le mercato est fini, voilà, on le sait, que tout va bien au PSG, bah, oui, mais voilà. On attend vos retours dans les commentaires sur Facebook Ville Lumière, sur Twitter Ville Lumière aussi, sur Instagram VL officiel et sur YouTube Ville Lumière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Dans la deuxième partie de l'émission, on se retrouvera avec donc Lloyd et Peter qui vont nous quitter maintenant pour laisser la place à Tac le glissé et à notre parrain. Mais donc deuxième partie de l'émission, désolé, hein, je suis en train d'improviser totalement. Je me suis dit, première prise de contact avec les auditeurs, premier enregistrement de la saison, faut le faire comme ça, sans rien écrire. Du coup, je fais ça. En totale improvisation, vous m'excuserez. Deuxième partie de l'émission, interview exclusive avec Julia Ménard, journaliste chez TF1. Alors le temps presse, on va essayer de faire ça rapidement. Le nouveau parrain de la saison, en tout cas pour Ville Lumière, qui va succéder à Daniel Echter et Patrick Suffaut, sera donc Romain Molina. J'imagine qu'une grande partie d'entre vous le connaissent. Il est journaliste indépendant chez le New York Times. Il est vidéaste et écrivain. Il a fait Galère Football Club, Unai Emery et le Maestro, Edinson Cavani, El Matador, des livres à succès. Il est en train d'écrire un nouveau livre et d'ailleurs on va lui poser la question. Il est avec nous en duplex différé depuis l'Espagne. Bonsoir Romain Molina, comment ça va? Bonsoir Béchir, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Alors on est vraiment super heureux de t'avoir en direct depuis l'Espagne avec nous. Très rapidement, deux questions avant de lancer la saison. Comment va le PSG et où en est ton livre? Quant au Paris Saint-Germain, j'imagine que ça va aussi admirablement bien. Quand tu as Cavani, Mbappé, Neymar, Kimpembe, Thiago Silva ou que sais-je encore, Buffon, ça ne peut qu'aller, même si bon, d'autres soucis en dehors du terrain. Écoute, mon livre, il est fini, enfin il est en finalisation, ça sort en novembre, j'espère que j'aurai le plaisir d'en parler sur Ville Lumière. Alors, tu es le parrain 2018-2019 de l'émission, du coup pour expliquer le concept, un parrain, on déclare ouverte la saison, c'est donc à toi et je te remercie d'avoir accepté. C'est donc à toi de lancer la saison. Est-ce que je peux l'annoncer maintenant? Et je suis ravi d'être le parrain et je dis que la saison 2 de Ville Lumière débute. Bon, écoutez, en espérant le plus grand succès pour Ville Lumière, et je suis très fier d'avoir été nommé parrain de cette belle aventure. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée, Béchir, et puis à très vite. Merci beaucoup, Romain Molina, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours sur Ville Lumière pour bien évidemment parler de ton livre. Et maintenant on va directement, avant de passer à la deuxième partie et l'interview de Julien Ménard, on va écouter Tac le glissé de Sacha Roulin, et juste je tiens encore une fois à le dire, ça a été
écrit et enregistré il y a deux trois semaines directement après la fin du mercato d'été. C'est une analyse constructive du plus ou moins hein, du mercato. Donc on attend vos retours dans l'espace commentaire. On essaiera de répondre à chacun d'entre vous et on essaiera de débattre dans le calme et la bonne humeur hein, dans les commentaires. C'est donc à toi, Sacha Roulin. Tac le glisser, le retour, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vole cette introduction à Romain Molina parce que moi, à la base, je t'explique, je voulais faire une introduction à la Ben Guzmo, m'a dit que c'était pas possible, bien, donc je fais une introduction sobre. Voilà. On est un petit peu embêté dans Tacle Glissé parce que, pour tout vous dire, cette semaine, on voulait rédiger un truc sur tous les dysfonctionnements liés à la direction du Paris Saint-Germain. Malheureusement, on a une chronique de 4-5 minutes d'un côté, et de l'autre côté, on a Antero Henrique, Nasser et Thomas Tuchel. Donc tu vois bien que c'est impossible de le faire en 5 minutes, donc on va devoir être concret et précis. Alors, pour être très précis là-dessus, pour être tout à fait précis, c'est inexact, alors je vais repréciser encore. Alors, on ne va donc pas pouvoir parler des promesses non tenues par Nasser El-Khelaifi à ses différents membres du staff. On ne pourra pas non plus parler de l'incompétence absolue d'Antero Henrique, ni d'ailleurs des choix plutôt étranges de Thomas Tuchel. On ne pourra pas non plus dire que Thomas Tuchel a donc été élu par les médias, a été élu comme un entraîneur parfait. Voilà, comme c'est les mêmes médias qui avaient élu par exemple Unai Emery comme entraîneur pipe, ou qui avaient dit que Bielsa était une chèvre. Hein. On est à peu près là-dedans, donc les médias ont décidé... Moi, je m'incline avec beaucoup de sympathie pour eux. Et donc, je dois parler de ce mercato du Paris Saint-Germain. Je suis obligé d'en parler. Alors donc, on a eu un mercato à plusieurs vitesses. Enfin, à plusieurs vitesses. Disons qu'avec Buffon, on était en neutre. Hein, on comprend pas trop pourquoi il est venu au PSG. On comprend pas trop pourquoi le PSG, comme ça, a besoin de recruter des joueurs à des postes qui sont largement fournis. On ne comprend rien, c'est pas compliqué, on ne comprend rien. Mais, à ce moment-là, ça va. C'était pas trop la merde. Et après, et ben vous allez me dire, mais c'est quand même pas compliqué. Ils vont prendre un 6. Oui, mais je pensais aussi qu'ils allaient prendre un 6. Seulement après, ils ont pris Carrère. Carrère, ouais. Alors, 37 millions. Hein. Voilà, 37 millions, il lui reste un an de contrat. C'est une décision intelligente. Et non content de faire ça, il voulait derrière prendre Boateng pour 40 millions. Donc, tu aurais investi 77 millions sur deux défenseurs, ce qui est hyper logique. Et par la suite, ils ont décidé quand même de prendre un latéral gauche. Quand même, parce qu'ils se sont dit, bon les gars, ils ont travaillé. Hein. Ah, ils ont prévu le coup. Donc, à deux jours de la fin du mercato, ils se sont mis sur Philippe Louis avant de se mettre, de faire signer le troisième latéral gauche du Bayern. Et là-dessus, on peut leur dire bravo. Non, bravo, parce qu'au moins là, ils ont pris quelqu'un, tu vois. Au moins, t'as une doublure si tu fais genre. Parce qu'au milieu de terrain, par contre, et c'est là où je vais en venir, au milieu de terrain, ils ont fait très très fort. Ils ont dégagé Pastore, par exemple. Ils ont dégagé... Ah oui, Pastore, Berchich, Guedes, ok. Pas de problème, c'est bon, tranquille mamie. Seulement, le tout petit problème quand tu fais partir des milieux de terrain, et ça, c'est une notion assez vague, assez compliquée à comprendre, alors j'espère qu'elle va être bien entendue, c'est que quand quelqu'un part, pour le remplacer, il faut prendre quelqu'un. Ouais, c'est incroyable. C'est fou comme concept, hein. Donc, je vous annonce tout net que j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, et pour le PSG, c'est que dans une année, et là j'ai la voix qui tremblote, dans une année, tu n'as plus qu'un joueur au milieu de terrain sous contrat. C'est Verratti. Pourquoi ? Bah parce que Lo Celso, Tuchel n'en veut pas, donc Lo Celso, raus. Et là, j'utilise raus, qui veut dire dégager en allemand, bah, dehors en allemand. Et c'est très drôle, parce que Tuchel est allemand. C'est une grosse rigolade, là. Donc, je disais, Lo Celso, raus.
Rabiot, il n'y a plus qu'un an de contrat. Raos, Diarra, mon Dieu, pourvu que ce soit la dernière de Diarra, mais de toute manière, il peut, physiquement, il ne peut plus avancer. Donc, Raos, et donc, il te reste qui au milieu de terrain? Tu m'expliques? Expliquez-moi le projet. Milieu de terrain, donc, il reste Verratti. On est d'accord. J'oublie pas un milieu de terrain qui se serait caché dans les vestiaires du camp des loges. On est d'accord qu'il reste que Verratti. Et, hein? Il reste que Verratti ou pas? Oui, il reste que Verratti, c'est bon. Alors, on va être contraint de tout reconstruire la saison prochaine au niveau du milieu de terrain. Enfin, peut-être que Tourelle va nous réinventer un système tactique. Peut-être qu'il va jouer sans milieu de terrain. Allez, on s'en bat les couilles. On joue en 6-0-4. Qu'est-ce qu'il y a? On fait un peu ce qu'on veut, hein. On est un peu les boss, mais c'est un peu... Je le dis en plaisantant, mais c'était ça le... On a l'impression vraiment que c'est ça. C'est ça l'objectif, de jouer en 6-0-4. Alors bon, moi ça va. Bon, moi j'ai pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci. Ils recrutent qui ils veulent. Et d'ailleurs, entre parenthèses, hein, quand on a besoin d'un milieu de terrain, on va peut-être pas chercher un remplaçant à Stoke City, mais bon, hein, ça va. En plus, c'est pas comme si PSG espérait gagner la Ligue des Champions, hein. See?